Bonjour, c'est toujours Gilmas, Chronique Dynasty TV. Balé, on a un message à menace. Trois messages, mi balé aux États-Unis, moko yuti na Londres. Message pendant à menace de mort parce que nazaku lobaba vérité pour na nanake chapi na ndenge abota mwana mususu. Batu balobi ki naza na droit ko lobaba lobela te, eza ya solo te. Soki na continue kosala ba video na kombo ya Nana Ketchup bakolakisa nga ki bangonde donc nazwi menace eloko bato baza kobosana. En tout cas avant na kota na makambo oyo je m'excuse d'abord na mutu nyonso akoyoka video oyo eloko na kosenga na bino kaka bo partager video bo commenter ce commentaire eza en tout cas bo tshia wana na se na video oyo na kozwa moyen na ngai nyonso na répondre na ba question na bino na commentaire soki mutu atie commentaire oya kosepela pe na video nanga a like yango bokomisa yango pena eyokana na bato ebele. En tout cas c'est ça concernant mwana oyo Nana Ketchup abota ava fali bato ebele baza koyeba ba vérité te e tobombaka makambo ebele ce n'est pas parce que toza bazoba e tobombaka makambo ebele ce n'est pas parce que toza kobanga koloba eza na makambo oyo ce n'est pas bon ya kobimisa na réseaux sociaux koloba bien que toza koyeba toza na ba vidéo ba capture ba photo tobombaka mpona koprotéger pe image ya fali mais soki vous n'êtes pas capable ya ko accepter que il y a des réalités oyo bino boyebi te il y a des vérités que vous ne connaissez pas il faut apprendre il faut prendre du temps à accepter aussi des réalités il ne faut pas seulement intimider les gens. Parce que vous aimez quelqu'un, il ne faut pas intimider les gens parce que vous protégez quelqu'un. Mais vous ne voulez pas accepter la réalité, vous ne voulez pas accepter des vérités, les vraies vérités de la chose. Si vous ne savez pas, il faut bien regarder même les affaires. Moi, je vais continuer, je vais vous dire la vérité. Si ça va vous choquer encore, je suis prêt aux menaces. Je suis habitué à ça. Mais une chose est vraie. Vos numéros, je les ai captés. J'ai vos numéros. J'ai vos numéros sur moi. Ah. Nana Ketchup, on ne peut pas la comparer avec Nicki Minaj. Nana Ketchup n'est pas née dans une famille qui ressemble à la famille de Nicki Minaj. Tout le monde connaît la famille de Nicki Minaj. Tout le monde. Les gens qui connaissent Nicki Minaj, ils savent que la femme là est grandie, est venue d'une famille de pères et de mères. Elle a grandi sous la protection des parents, de ses propres parents. Nicki Minaj que vous voyez là-bas. Si vous ne voulez pas accepter ça, c'est votre problème. Pendant que Nana Ketchup, elle n'est pas grandie comme Nicki Minaj. C'est comme une femme, une fille qui a grandi dans la rue. Ce sont des réalités, il faut comprendre ça. Quand je vous ai dit que Nana Ketchup, à un moment donné, était partie. Elle a fait enfant avant qu'elle soit avec Fally Ipupa. Nana Ketchup a eu une fille. Je pense que même la fille est morte. Mais je n'ai pas bien capté les messages de la personne là. Mais c'est comme si la fille là, elle a même eu. Elle était âgée de 23 ans l'année passée. C'est déjà 23 ans. Si elle est encore vivante, donc elle a 23 ans. Almost 24 ans. Si vous ne voulez pas accepter des vérités, ça m'engage à quoi? Même Chantal Bomolo, je peux vous assurer qu'elle sait, qu'elle connaît les réalités. Maman Mapasa, elle connaît les réalités. Elle sait que Nana Ketchup a fait enfant avant Fally Ipupa. Nana Ketchup est partie en Allemagne. Elle était mariée à un diplomate. Moi, j'ai dit ça depuis l'année passée. Ce n'est pas l'année ici. Les gens qui commencent à écouter des réalités, ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas boire la réalité. Ils veulent seulement que je me limite sur des bêtises. Moi, je suis ici pour relater des réalités. Nana Ketchup était mariée en Allemagne. En Allemagne. Son mari était mort. Un diplomate allemand était mort. On a refoulé Nana Ketchup de l'Allemagne. Au Congo, elle était refoulée. Nana Ketchup est née dans une famille, elle est grandie dans la mère de sa maman qui faisait des fétiches. C'est là ce qu'on écoute, les fétiches. Une fétichière sorcière.
Mais Nikimenga n'est pas grandi dans les mains des sorcières. Elle est grandi dans une famille bien connue, bien éduquée. Le problème, c'est quoi? Si vous ne comprenez pas, le problème de Fally et Nikimenga, je vais le répéter. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Le problème de Nikimenga et Fally, c'est, je l'ai toujours dit, c'est Nana Ketchup. Ce n'est pas Fally, ce n'est pas Nana Keina, Nikimenga, ce n'est pas Keina. C'est Nana Ketchup. Regardez-moi d'abord, écoutez-vous-même. Une femme de la maison, soi-disant la femme de quelqu'un. Une femme de quelqu'un. Vous savez pourquoi, pardon, vous savez pourquoi j'appelle Nana Ketchup concubine? C'est parce qu'elle ne connaît pas sa place. Elle est seulement une femme, mais n'a pas de vision. Elle ne connaît pas l'importance d'être la femme de quelqu'un. Elle ne connaît pas ça. Je peux la donner raison puisqu'elle n'est pas mariée. C'est une concubine et ça vaut peut-être du mariage de Fally. Pourquoi Fally n'a jamais mis une bague sur ses mains? Mais Fally avait mis la bague sur les doigts de Nikimenga. Que ce soit les bagues à Kolukisa Mikanda, des chèques de papier. Mais quand même, Fally avait juré devant, devant l'autorité du gouvernement Areva. Il avait juré pour les meilleurs, pour les pires, devant Nikimenga. Nikimenga, quand j'ai toujours dit dans d'autres émissions, beaucoup d'émissions, Nikimenga, elle était encore mineure. Elle croyait à tout. Elle était innocente. Elle croyait à tout ce que Fally disait. Ça, ce sont des dossiers que vous ne comprenez même pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand j'ai toujours dit que la communauté congolaise est bourrée des idiots, je l'ai dit depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, Zach Mwekasa a repris ce que j'ai dit. Que la communauté congolaise, majorité plus de 90%, est moins intelligente. Vous pouvez être intelligente, mais si vous ne savez pas écouter et comprendre, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'école seulement pour les points, pour ne pas avoir de points. Mais ceux qui ont une dissertation, ils vont taper poteau. Nana Ketchup, c'est le problème. Imaginez-vous bino boza ko finga boza ko embrier bato. Un papa qui va s'attaquer sur les réseaux sociaux directement à sa fille. Si il y a un homme qui va accepter de telles paroles, c'est un homme bête, un homme qui n'a pas grandi dans une famille. Ce sont des personnes pareilles qui vont accepter de telles menaces. Et puis bon mituna na bino moko, posez-vous des questions. Où est le problème de Keina et Poupa? Si maman a fait une vidéo, elle a dit que vous êtes considéré comme des morts. Est-ce qu'elle a tort? La dame là n'a même pas tort. Puisque un papa qui n'a jamais été là, un papa qui bloque ses enfants, un papa qui ne parle pas à ses enfants, un papa qui n'a jamais été là, on a, la Tina et Poupa a dit, il y a des fois on jette les habits, les choses, les objets de ses enfants à l'extérieur puisqu'ils n'ont pas payé les loyers. Et puis si tu es Wario, intelligent et parent, tu ne vas pas aimer de telles actions. Un soi-disant Fally, il a des enfants qui n'ont pas un domicile fixe. Il a des enfants qui ne sont pas capables à payer les loyers. Vous pensez que c'est normal? Laura ou Fally Azanango, Aura ya Fally. Est-ce que ces enfants peuvent... Moi, dans la télévision, j'ai fait mon travail. Est-ce que moi, dans la télévision, il y a grave, il y a malonga comme ça? Au lieu, Fally Azouata, il y a à se focaliser à ses études. Azoua charge, il y a dépassé à moi, mais Fally Azouata, il y a combat contre moi, et puis il y a des mamans qui ne sont pas intelligentes, c'est elles qui m'appellent pour m'intimider. Et un papa qui est bourré, est bourrique au 100 degrés. Il y a des gens qui fument de la chavre et qui sont des personnes, il y a des personnes aussi alcooliques. Quand ils vous appellent, ils ne réfléchissent même pas. Il y a des fois, ils ne savent même pas le but, soit le motif de leurs appels. Ils ne savent pas. Quand ils regardent des Fally, vraiment, tu regardes des Fally, quand on dit que... Nana Ketchup a fait ceci, Fally ne peut rien dire. Si on dit que Fally a fait ceci, Fally ne se gêne pas. Mais quand il s'agit de Nikki qui va dire quelque chose,
Fali, il se fâche, il vient directement sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas la première fois. Bota, le moment où Asalaki émission, n'a-t-il au collé. Il était venu pour dénigrer sa propre femme, la maman qui lui a donné les enfants. La femme qui, malgré ma kofinga, à ce moment-là, Fali a dénigré sa femme, mais Nikimenga, comme elle est intelligente, comme elle sait protéger les pères de ses enfants avec ses comportements et le caractère d'une femme africaine, elle a toujours protégé le nom de Fali. Combien de bas sont dans la communauté qui ont été protégés par les gens et les gens qui ont été en public? Combien de bas sont dans la encore ça, ce n'est pas n'importe quel mibal ou ba kendeke kosala ba échafaudage, et ça ba mibal misusu, ba misiki, ba misala ba sécurité, ba misala ba yaba entrepôt, te, oyo za, et ça fali, star africaine, en Afrique ba za koye ba ye, azo kende ti na États-Unis, na ba grami ba nomaye, biti ba nomaye, donc ya ye ba ni makasi, mais, moi si oyo, Niki a yebi Valeria Niki a fali a protéger ye. Bolamu oyo Niki menga sali. Bino tellement que vous n'êtes pas intelligent. Boza kolondaka bilobela ya fali. Ça même que ça la banalise. E bandako wapi. E to komi wapi. Ni ninde sali fali a koma boy. Bozo ye bate. Et mais c'est qui doit protéger sa famille. Ye mouta kom aza ko panza famille na yena public. Ye attaque personne publique. Bino bazo ba ya ba wari. So ki fali boyebi kaza personne publique. Aza mutu penza aza la personne la plus suivie na kilelo na ndenge ya musique. Nyoso za ko relater na télévision. Boyebi ke batu nyoso batu baza na droit ko lobela yango. Ba ivoire bazo lobela ye, ba camerounais bazo lobela puisque il s'est comporté na niveau ya mabe, batu wa lobe lake mingi mingi na miziki ya za numero 1, mere komi ya famiye, ye moko aza kwa ya korelate yango na rezo sosyo. Sika ere mutu wa ye ko lobe la yango, bozoli nga bo kangise munoko, bolingite batu wa loba, eti kalakaka bongo paske se fali. Sana fisele, mbakambwa bongo, ele kakashingate, Babezi o fali aza ko luka. Ezako sala ba beze paske ezana stade ya faire goal ezako leka mingi soki stade ya faire leki bomona makambo yose ko sila paske azo linga ko déstabiliser kaka nani makambo ya faire ba réalité ango wana mais soto zongiska na ndenge ya kifami fali abeti mabe nana ke chap aza une très mauvaise femme. Attaquer femme mobimba, soit disant maman, abota pe bana. Toba na kota la pe bana bana na ye. Toba na kota, nga na lo, bata l'émission na nga ane passe, na lo bango kombe de fois pona Yuri Kalinga. Ane na lo bango kombe de fois. Yuri emo kwa leki kombe de fois ko deklare mwana oya nani ya Marco 6. Kombe de fois. Kombe de fois a leki ko deklare ango. Me bino telman ke boza bazoba. Bolo baga toujours que ina aza mwana soki ya Piero. Me fali asala ADN ebimi mwana na ye. Pourquoi si kabino boza pourquoi ya Marco 6 boza kolandela yangote? Kaka ya Keina. Pourquoi ya Marco 6 boza kolandela yangote? Obe ya Keina ne boza kolanda. Boyebi bien que fali akabela ne Keina kombo ya mama na ye. Fali asala ADN azayi andima ebima penda mwana na ye 100%. Pourquoi fallait ça koboya ko sala ADN ya mwana oyo Marco 6? Pourquoi? Bino bolingi boyo baba boyo ka ba vérité. Mais toza ko bomba. So na banda ko panza ba vérité awa. Ba tebele ba kotala ka télévision te. Parce que boko zala gêné, boko zala mal à l'aise. Oli kamoni nesila kate. Soki botiki makambo. Batu wako tika. Boza kufinga batu. Bolingi batu balo bate. Nakoloba. Soki ya kolobeza nakoloba. Soki ya kolobaiza nakoloba. Bobi misa sikape ADN ya Marco 6 kazi. Potondima bino. Bobi misa yango tondima. Nanake chapa abota. Bolinga te abota libanda. Avafali. Mwana mwasi.